Hey, bien sûr à tous, c'est Tintac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de Nation's Glory. Et vous avez vu, je me suis habillé en Père Noël. Oh, oh, oh. Bon, du coup, oui, on se retrouve pour l'épisode 20. C'est vraiment définitivement la série qui aura duré le plus longtemps sur ma chaîne. J'ai jamais été jusqu'à l'épisode 20. Je suis super content que ça fonctionne toujours autant à 20 épisodes. Pour cet épisode, je voulais faire plein de trucs. Je voulais faire un truc qui change, genre visiter plein de pays, faire un world tour, un truc comme ça. Mais en fait, on a plein de trucs à finir dans le pays. Genre, le sapin qu'on a commencé dans le dernier épisode, faudrait qu'on avance pas mal dessus. Parce que là, ça y est, on est en décembre. Il y a Noël qui est arrivé. Et d'ailleurs, les décorations de Noël sont là. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, regardez, ils ont mis plein de décos de Noël Nation's Glory. C'est des trucs qui vont pouvoir être utiles. Genre, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire pas mal de trucs avec ça, pas mal de déco. J'ai vu qu'il y a un sapin Noël aussi pour 100$. Faudrait que je teste à quoi il ressemble. Mais je crois qu'il est petit. Je suis pas sûr qu'il soit très joli. Donc, ça, je pense pas qu'on va vraiment l'utiliser en fait. Mais écoutez, c'est pas mal qu'ils aient mis Noël sur la chaise. Oh, par contre, il y a une étoile de Noël. Ça, on va la mettre direct sur le sapin. Mais je suis pas sûr qu'elle soit assez grande. Mais bon, écoutez, on testera tout ça parce qu'il y a vraiment des trucs super stylés. Et du coup, moi en attendant, j'ai le CD de Noël que j'ai fait dans le calendrier de l'Avent de mercredi. D'ailleurs, si vous voulez, je sors le calendrier de l'Avent de Nation's Glory tous les jours entre 18h30 et 19h sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis bah voilà. Ah non, en fait je l'entends même quand je pars. Ok, bon bah non, je vais l'enlever. Ouais, faut pas déconner là. Oh. Bon, du coup, tout ça pour dire qu'on va pas vraiment faire un épisode spécial. Ça va être un peu comme les autres. Mais bon, là on va commencer à faire le sapin. Et vers le milieu de l'épisode ou vers la fin, on ira visiter quelques pays parce qu'on n'a jamais fait ça dans Nation's Glory. Donc je vais essayer d'aller visiter des pays. On fera ça. Je pense que ça pourra vous faire plaisir. Et même moi, ça me fera plaisir de découvrir un peu ce qu'il y a sur le serveur. Ok, bon, moi du coup, je vais direct commencer le sapin. Bon, les cadeaux, on va pas les faire tout de suite. Sachant que en fait, si on a dans les décos Noël, donc moi en premier lieu là je veux faire vraiment le sapin là, va falloir que je fasse le tronc et que je commence à mettre les feuilles. Donc écoutez, il va nous falloir beaucoup de bois de sapin. Donc bah écoutez, j'espère qu'on a ça dans les coffres. Mais bon écoutez, je fais ça et du coup je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai pas mal avancé. One eternity later. Ok, donc j'ai toujours pas fini le sapin, mais c'est parce que en fait ça fait 3 heures que j'y suis. Ça fait 3 heures que je suis sur le sapin, j'ai toujours pas fini et là j'ai vraiment plus le temps pour le terminer. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai vraiment plus le temps. Il est 16h11 et la vidéo est censée normalement sortir à 17h. Sachant qu'on est qu'au début de l'épisode et j'ai encore rien tourné, c'est la merde. Donc je vais m'arrêter là, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire en 3 heures. Ok, donc du coup en 3 heures, regardez, j'ai réussi à faire tout ça. C'est presque tout le sapin là. Donc du coup, regardez, si j'active le schématique, vous pouvez voir, on est presque à la fin. Il reste vraiment plus beaucoup, mais bah j'ai vraiment plus le temps de le finir. Donc je le finirai entre cet épisode et le prochain épisode pour pouvoir avoir le temps de finir cet épisode là. Parce que là, sinon, je vais vraiment être dans la mouise. Mais bon, sinon, en vrai, je suis plutôt content. Bon, en 3 heures, j'ai réussi à faire que ça, mais bon. En vrai, ça rend plutôt pas mal. Ouais, regardez, ça rend assez bien. Moi, j'aime bien. Après, faudra enlever la terre autour et puis mettre les décos qui retombent là pour faire un petit peu plus joli. Mais en vrai, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, on va pouvoir passer à la suite de l'épisode. Ok, donc du coup, regardez, on a un petit sapin de Noël. Bon, ouais, il est un peu moche, hein. Mais bon, ils appellent ça un sapin Noël parce qu'il y a, il y a une étoile sûrement, mais il n'y a pas de boule. Donc, c'est un peu nul. Et ça, du coup, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant pour le jour 3. Et du coup, le calendrier de l'avant d'aujourd'hui, il sort tout à l'heure vers 19h, un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. C'est super cool. Et puis on s'amuse, on découvre des nouveaux cadeaux chaque jour dans le calendrier de l'avant. Ok, donc du coup on se retrouve sur une plage. Mais pourquoi on est sur une plage alors que j'ai un skin de Père Noël et qu'on est à l'Alaska? Peut-être parce qu'on n'est pas à l'Alaska justement, hein. Donc ouais, effectivement on n'est pas à l'Alaska comme vous pouvez le voir. En fait on est dans l'Empire des Vancouver, qui est tout simplement le premier pays des notations. Donc ouais, c'est badass. D'ailleurs, en parlant de notation, nous cette semaine on est arrivé 171e. Donc c'est un tout petit peu mieux que la semaine dernière, mais il va falloir quand même augmenter. Mais là avec le sapin, je pense que ça va augmenter. J'ai trouvé peut-être un truc qui faisait qu'on n'augmentait pas. Je vais vous en parler juste après. Donc du coup ouais, c'est quand même super badass d'être dans le pays de la première notation du serveur Black. Et ben en fait regardez, ils sont juste à côté de nous. Regardez, moi je suis là et l'Alaska est là. Donc en fait c'est le pays le plus proche de l'Alaska. C'est les premiers de notation, c'est franchement trop stylé. Donc du coup c'est quand même super stylé. Bon, comme on est l'épisode 20, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit world tour. Pas forcément un world tour, mais un petit tour dans les pays. Et puis je me suis dit, la première notation, vraiment. En plus à côté de nous, l'Empire des Vancouver. Regardez par contre, il y a la lave partout, hein. Ils ont vraiment abusé sur la live. Regardez, donc là il y a un petit pont. Ouais, vraiment. Et même la muraille. Par contre, la muraille, j'avais pas l'impression que c'était un truc Minecraft. Là, elle est trop jolie là, la tour. Mais les gens. Bon, du coup, moi je voulais faire aussi une petite expérience. Est-ce qu'il y a une frontière sur le monde de Nation's Glory ou est-ce qu'on est re-TP de l'autre côté? Donc écoutez, on va tout de suite tester ça. Et qu'est-ce qu'on attend en fait? Ah non, mais. C'est parti en fait. Ok, donc c'est parti, je m'envole vers d'autres ciels. Non, bon, en fait je vais juste voir la frontière comme on a dit juste avant. Donc j'ai pris un petit dragon d'ailleurs que j'ai dû acheter 15 000$ parce que j'ai perdu l'autre dans la warzone, vous vous rappelez, hein. C'est un peu bête, hein. Oh bah un dragon, tiens. Je suis pas le premier à avoir fait les... Mon dragon, il est dans le spawn. Vous a... Ouais. Vous avez vu?
Il y avait un dragon dans le spawn. Bon, en fait, tout simplement, j'ai dépassé les frontières du monde. Du coup, j'étais TP dans le spawn automatiquement. Franchement, c'est nul, hein, la chaîne de Lori. Vous aurez pu mettre un système de téléportation de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a fait une petite expérience, mais je suis un peu déçu quand même. Donc, je vous informe que la chaîne de Lori, on met en place un petit concours pour Noël. Donc, c'est tout simplement un système de cadeaux. Donc, la personne qui a le plus de cadeaux peut obtenir un PC gamer. La deuxième, un écran. La troisième, un clavier. La quatrième, 100€ boutique. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, je vous informe que vous pouvez m'envoyer des cadeaux tout simplement en cliquant sur ce lien. Donc, le lien est dans la description. Il est à la première ligne, donc ça me ferait extrêmement plaisir que vous m'envoyiez des cadeaux. Pas obligé, mais franchement, moi ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément. Ça me donnerait beaucoup de soutien pour continuer à faire plein de vidéos sur Nations Glory. Donc, bah écoutez, maintenant que ça c'est dit, on continue tout de suite la vidéo. Ça y est, c'est bon, tu m'as donné un cadeau. Ok, bon bah on peut continuer. Ok, bon les gens, maintenant on va partir en PVP contre CTR Bex. Donc, écoutez, on va voir qui gagne. J'espère que ce sera moi, mais bon, écoutez, on verra bien. Ok, donc j'ai accepté un nouveau duel. Cette fois, on n'a pas le même kit, vous pouvez voir. Régène et soin. Oh là, j'aurais pas dû prendre. J'aurais peut-être pas dû prendre rapidité, ça me perturbe. Ok, les gens. Là, on a peut-être une petite chance. Wesh. Ok, j'ai une trop grosse sensi, je pense. Oh putain, il PVP bien, il PVP bien, il PVP bien. Il a pris des potions de soin, donc c'est ça. Putain, j'ai cru que j'avais été. Putain, il a repris une pomme. Ok, les gens, là j'ai vraiment le clic sur ma molette hier. Non, j'ai cru que je l'avais encore tué. Il arrive pas trop à me toucher, donc là pour l'instant je suis bon. Il reprend. Là, normalement, il a plus de popo. Là, normalement, il les a toutes vues, je crois. Alors que moi j'en ai encore quelques-unes. Oh là 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 là, merde, 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 merde. Ok, donc là, je peux peut-être. Non, il va encore gagner, il va encore gagner. Ok, il en a repris une aussi, donc là, c'est short. Ok, vraiment, le sage PVP sur ma chaise de voix, il est trop bien. Hein. Ok. Non, 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 non. D'où il m'enchaîne là? J'ai gagné, j'ai gagné. Oui. Regardez, j'ai gagné. Bon bah écoutez, je suis super content d'avoir gagné ce combat en PVP. Faut juste pas que je vous dise qu'on en avait fait un avant et que j'ai perdu. Mais ça faut pas le dire, hein. Vraiment les gens, c'était trop cool, hein. Ça sera à refaire. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à me le dire en commentaire pour que je sache que vous aimez bien cette séquence PVP et qu'on en refasse dans les autres épisodes. D'ailleurs, si vous voulez apparaître dans les épisodes, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. C'est là où je demande ce qu'on peut faire dans les épisodes de la chaîne de Loïc. C'est là où je demande si les gens veulent venir dans l'épisode, par exemple, pour faire du PVP avec CTRBEX. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, il est également dans la description. Bon bah écoutez les gens, du coup on va s'arrêter là. J'aurais bien aimé faire plus de trucs dans cet épisode, mais en fait, bah j'ai plus de temps. Déjà de une, j'ai plus de temps, et de deux, bah l'épisode fait déjà 8 minutes, qui est déjà beaucoup en fait, c'est déjà bien. En tout cas, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les soirs pour l'ouverture du calendrier l'avant de Nations Glory justement. Et moi en tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'est tout le chat. À plus.